vont s'achever en décembre 2014. Sud de France, c'est notre marque de fabrique, celle des 3 millions d'habitants du Languedoc-Roussillon. Avec elle, la région affiche toute sa confiance à l'ensemble des professionnels de la viticulture, de l'agriculture et du tourisme. Avec elle, la région veut accroître la compétitivité et l'attractivité du territoire. Sud de France identifie la qualité d'un terroir et le savoir-faire des producteurs. Avec 3000 entreprises labellisées et 10 000 produits adhérents, la force de la marque, c'est qu'elle permet d'optimiser l'identification de toute la région au niveau national, mais surtout à l'international. L'attrait pour le sud de la France est indéniable, l'attractivité de Sud de France doit être une évidence. La région a déjà largement œuvré en ce sens et elle continuera. Depuis 3 ans, les ports et les aéroports notamment font l'objet d'investissements durables. La croissance passe par là. La petite leçon de œnologie, eh bien c'est maintenant. Bienvenue, la région.tv, la région.fr, toujours en direct sur votre site internet depuis la foire de Montpellier, Languedoc-Roussillon, jusqu'à lundi prochain. C'est la petite leçon de œnologie avec Dominique Laporte. Bonsoir, David. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, comme d'habitude. Bon, fidèle au poste pendant une bonne vingtaine de minutes, même un peu plus. Exactement. Vous allez nous expliquer un petit peu l'ensemble des cépages. C'est plus du terroir dont il s'agit aujourd'hui. Voilà, alors aujourd'hui, j'ai voulu axer la dégustation justement sur 80 avec des terroirs, c'est-à-dire cette notion de sol qui va donner un impact très fort au vin. Donc on va avoir un vin donc du Gard sur un vin blanc où on va avoir une connotation assez mûre, justement le caractère un peu chaleureux, notamment des galets roulés. On va avoir sur le Roussillon un caractère beaucoup plus marqué schiste. On va avoir un caractère argilo-calcaire avec une notion très chaleureuse aussi sur la notion des corbières. Et après, les schistes très particuliers, les schistes blancs et notamment les zones de sol volcanique qu'on va retrouver sur la zone de Faugères dans l'Hérault. Voilà, tous les départements sauf la Lozère qui ne produit pas encore exactement. De vin. Donc on a l'Aude, l'EPO, le Gard et l'Hérault. Exactement. Pour parler de l'ensemble de ces vins, on salue les invités, je vous laisse tranquille. Grégory Amptil qui est avec nous, bonjour. Bonjour messieurs. Il aime le handball, il aime le vin. Bah, quand on aime le handball, on aime le vin, oui, en effet. Oui. C'est très bien. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bienvenue, et on fait la présentation. Prénom, vous êtes d'où? Je suis de Metz, je m'appelle Lucien. Thierry Ducresse. Voilà, bon, on a l'ensemble, surtout des Montpellierins. D'accord. Je vous laisse tranquille, Dominique, je vous dis à tout à l'heure. Ça marche. Pour cette petite leçon d'œnologie à déguster avec modération, avec sagesse, et cette initiation, c'est à vous, à tout à l'heure. Avec plaisir. Donc déjà, je vous sers ce premier vin pour pouvoir, bien sûr, l'apprécier. Voici messieurs, attendez, je vous fais passer, bougez pas. Voilà. Alors c'est vrai que à chaque fois j'aime bien moi démarrer avec un verre de vin blanc pour une raison très simple, c'est que ça va nous permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu frais, de rincer un petit peu le palais, de préparer justement la dégustation. C'est vrai qu'après une journée, souvent on a tendance à avoir le palais un petit peu plus lourd. Le meilleur moment pour la dégustation, c'est plutôt fin de matinée, parce qu'on est réveillé, on a le palais qui est en place. On est encore en forme, on n'a pas le palais trop chargé par la fatigue de la journée. Et c'est le moment où on apprécie le mieux. Et surtout, on est juste avant un repas, donc on est en état d'appétence. Et ce qui fait qu'on a nos papilles qui sont parfaitement ouvertes et du coup prêts à déguster et surtout à ressentir beaucoup de choses. Là, c'est vrai qu'en milieu de journée ou en fin de journée, c'est peut-être un peu moins propice parce qu'on est fatigué. Mais quand même, il faut savoir que la majeure partie des vins consommés dans le monde se font au moment du dîner parce qu'on a terminé la journée et on est tranquille pour pouvoir boire un verre avec pas mal de plaisir. Alors là, donc, ce premier vin, donc, on est sur un vin qui est en appellation Languedoc, qui s'appelle la Gravette, donc avec la cuvée Grande Réserve. On est sur un millésime relativement jeune, hein, en fait, on est sur un millésime 2013. Et là, la volonté était de faire surtout ressortir le caractère particulier de cette zone de la Gravette de Corconne, avec des argilo-calcaires et surtout des calcaires assez dominants. Alors le sol, justement, quand on parle de terroir, le terroir, souvent, quand on parle de terroir, on entend le mot terre et on comprend que c'est le sol. Il faut savoir que le terroir, ce n'est pas que la terre. Le terroir, c'est la terre, certes, donc le sol et le sous-sol, le cépage adapté, bien sûr, à ce sol, et l'action de l'être humain qui va aussi conditionner tout ce travail et faire que la totalité de ces éléments liés, bien sûr, au climat et à l'ensoleillement va donner une notion de terroir. Et le terroir, c'est quand on arrive à vraiment révéler la personnalité d'un sol, d'un cépage, d'une climatologie par l'homme. Donc ça, je pense qu'on peut le comprendre facilement en dégustant. Alors bien sûr, les vins blancs de notre région, c'est pas comme des vins blancs par exemple de l'Alsace, des vins blancs de Bourgogne, où on aura des notions d'acidité très marquées. Nous, on est dans des régions où au contraire, la climatologie fait qu'on aura des acidités toujours un peu faibles, donc des vins plutôt aromatiques et fruités, et manquant parfois un peu de tonicité. Alors le but étant de chercher des cépages relativement frais et vifs, puisque l'acidité, c'est comme dans le corps humain, c'est le squelette, on va dire, du vin. S'il n'y a pas d'acidité, le vin s'effondre.
Et nous, c'est la même chose. Si on nous enlève le squelette, on n'aurait pas de quoi tenir debout. Donc, il faut toujours penser à cet élément important qu'est l'acidité, qui va nous donner cette fraîcheur, cette envie de reboire une gorgée et de rafraîchir aussi le palais. Et ça permet aussi de percevoir les arômes et d'avoir une durée relativement longue en dégustation. Alors, quand on n'a pas une région très fraîche, on va dire, où la climatologie est chaude, il va falloir compenser soit avec des cépages à bonne acidité, ou alors maintenant avec les techniques modernes. On a quelque chose qui est primordial, c'est le froid. Vous remarquerez que maintenant, les vignerons récoltent les vins la nuit ou très tôt le matin. Alors, ce n'est pas juste pour se cacher, on va dire, des voisins. Le but étant surtout de récolter à une température relativement faible pour pouvoir mettre les vins dans une cuve à basse température, les maintenir en température, voire même les stocker des fois un jour ou deux bien au froid pour pouvoir rafraîchir jusqu'au cœur du grain. Et pourquoi on fait ce procédé-là ? Parce qu'on va faire une macération pelliculaire à froid. Donc, ça veut dire que la peau va rester en contact avec un jus relativement froid et va faire ressortir de la peau uniquement la fraîcheur, les notes florales, les notes fruitées fraîches. Alors que si on le faisait à une température plus élevée, on n'aurait que le caractère brûlant, des notions de surmûrie, et le vin serait un peu moins plaisant, un peu moins frais en dégustation. Après, la durée de fermentation va jouer aussi énormément. Alors je suis désolé, il fait très chaud sur le plateau, ça vous le comprenez, vous vous rendez compte aussi. Donc on va sentir au-delà, de l'apparence visuelle, où on a toujours un vin donc, qui est relativement brillant, on le voit bien. On a une notion de jaune relativement pâle quand même pour un vin blanc, mais pas non plus complètement transparent. Des fois, vous avez des vins qui ont quasiment la couleur de l'eau. Là, au contraire, il y a un petit peu de doré quand même. On se rend compte aussi dans la couleur qu'il y a un tout petit peu de vert. Ça, c'est synonyme de jeunesse. Voilà, exactement. Ensuite, on va évoluer sur une couleur qui va se rapprocher de la couleur centrale du vin. Et en vieillissant, le vin va prendre des touches un petit peu orangées. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais signe, au contraire. Ça veut dire que le vin a évolué, qu'il a pris des couleurs différentes liées à la maturité. Ça peut aussi arriver quand on récolte le vin un peu tard, par exemple une vendange un peu tardive. On aura une oxydation aussi du grain sur la souche. Donc, ça peut être un indicateur aussi de comment le vigneron a travaillé. Alors, on en a parlé ces premiers jours. Vous avez des personnes qui vont passer des heures à vous regarder les fameuses larmes et à vous tirer des théories pas possibles sur les larmes. Il faut savoir que les larmes, ça n'aura aucun impact sur la facilité à retrouver un vin et ne donnera pas non plus d'indicateur sur son alcool, son sucre ou son éventuelle teneur en glycérol. Parce qu'à chaque fois, en fonction de la température du vin, la température ambiante, la pression atmosphérique ou la qualité des verres ou la propreté ou la forme des verres, ça changera. Donc là-dessus, on va peut-être passer outre. Juste peut-être dire que les jambes ou les larmes sont relativement resserrées, fines, plus ou moins colorées suivant le type de vin. Mais après, on ne va pas chercher à tirer des conclusions quand on essaie d'analyser un vin. Là, le but est surtout un moment de plaisir et de comprendre un peu pourquoi ces vins sont différents. Alors déjà, on va le sentir, mais sans le remuer. Le but étant de sentir la fraîcheur et la finesse d'un vin. Donc essayez d'abord de le sentir dans le haut du verre. Donc vous l'inclinez légèrement et vous sentez sur le haut du verre. Et ensuite, vous allez rentrer le nez un peu plus en profondeur. Déjà, on se rend compte qu'entre le haut et l'intérieur du verre, on n'a pas tout à fait les mêmes saveurs. Sur le haut, on a un caractère très aérien, on a beaucoup de légèreté, beaucoup de finesse. C'est très délicat. Par contre, à l'intérieur du verre, beaucoup plus profondément, on sent un côté plus mûr du fruit, un petit peu plus cuit, quasiment plus surmûri. Donc entre les notions florales et très fruitées dans le fond, on a cette diversité du vin. Alors si vous voulez quelque chose d'encore plus bluffant, faites comme ça, faites juste tourner le vin dans le verre et ensuite sentez-le tout de suite. Vous voyez que les arômes n'ont plus rien à voir. On a l'impression qu'on a rajouté en douceur, en onctuosité, en parfum et qu'on a augmenté quelque part la densité aromatique du vin. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir rentré un peu d'oxygène, on a développé la notion de parfum. Puisque l'oxygène est un support aussi pour faire ressortir les molécules aromatiques que l'on a pu casser avec l'oxygène. Alors là, c'est vrai qu'on est un tout petit peu plus doux. Moi, je trouve qu'on est un tout petit peu plus beurré dans les odeurs qu'on ressent. On a une notion de fruits blancs un tout petit peu plus mûrs. On est plus sur le côté pêche, pêche blanche notamment. On a des notions aussi un tout petit peu boisées. On a une notion légèrement vanillée, très fine, pas très accentuée, mais elle souligne juste l'ensemble de la gamme aromatique. Alors, est-ce que vous appréciez, vous, ce vin, déjà, au niveau du nez ? Oui, au niveau du nez, oui. Alors maintenant, on va voir la suite. Alors on va déguster, on va voir un peu comment le vin se comporte. Alors juste pour réexpliquer un petit peu comment on perçoit le vin, au tout début, vous allez avoir un liquide qui va recouvrir le palais, qui va vous apporter une tendance un peu moelleuse. Puis derrière va arriver une notion tonique de fraîcheur, qui va donner un côté boost un petit peu au niveau des arômes, qui va faire ressortir les parfums. Et derrière, on aura une petite connotation un tout petit peu amère. Et ensuite, on va à ce moment-là avaler ou recracher. Et on va avoir l'impression qu'il va y avoir un petit changement au bout de quelques secondes. C'est ce qu'on appelle, alors dans le jargon de la dégustation, la persistance aromatique intense. Honnêtement, ce n'est pas sorcier. C'est juste au moment où le vin va changer de comportement et va se modifier au bout de quelques secondes. Donc on va s'amuser à le sentir, le goûter et voir ce qui se passe.
Alors, bien sûr, avaler ou recracher, ça ne change rien au niveau de la dégustation. La seule chose, c'est que quand on avale, il faut faire avec modération. La journée étant un peu longue, il faut faire attention. Alors, on n'hésite pas à prendre un petit peu d'air aussi pour pouvoir oxygéner, comme on a fait en termes d'oxygénation dans le vin quand on le sentait. On va faire rentrer un petit peu d'air et on va, en même temps, le faire tourner sur le palais pour en mettre un petit peu sur tous les capteurs, sur toute la langue. Alors, au tout début, la notion de moelleux, elle n'est pas très marquée. Par contre, la notion de fraîcheur, d'acidité, oui. En même temps, c'est un peu le but. Sur un vin blanc, on cherche de la fraîcheur, on cherche un caractère désaltérant. Par la suite, on a une notion un peu d'amertume qui est assez accentuée, par contre, assez marquée. Et ces amers ont tendance à apporter un petit relief sur la langue, comme une rugosité. Et ça, justement, ça lui donne pas mal de volume. Moi, je trouve que c'est relativement intéressant. On n'est pas sur un vin juste sur la fraîcheur, juste sur l'acidité. On a un peu de corps, un peu de caractère. Et ça, c'est apporté aussi par une très belle maturité qui vient de ce sol particulier, donc de sol avec du calcaire. Le calcaire apporte de la fraîcheur, mais aussi accumule la chaleur et la restitue. Donc on aura des raisins à parfaite maturité, et ça apporte aussi un côté un peu crayeux en bouche. Et ce calcaire, on le ressent. Alors, bien sûr, on ne le faisait pas étant à l'école, mais ce caractère de craie, on a tous touché ou senti la craie sur la langue. C'est un caractère un tout petit peu asséchant, et ça, c'est la notion de calcaire que l'on ressent bien dans ce vin. Alors bien sûr, par rapport à ces comportements, il ne faut pas oublier que le vin n'est pas fait pour être consommé qu'à l'apéritif. Après, on va le mettre en valeur à table. Donc là, moi, j'ai plutôt envie de le consommer avec des poissons, en guise d'apéritif, oui, mais après avec des poissons. Un beau poisson blanc, je vois bien un poisson avec un peu de fermeté quand même, comme il y a du corps dans le vin, une sole, un Saint-Pierre, du turbo. Alors juste poché, pourquoi pas une petite sauce légèrement crémée pour l'accompagner. Ou là, on arrive en automne, pourquoi pas faire un mariage terre-mer, un petit peu de girolle juste poêlé avec. Et là, c'est le bonheur. Voilà comment le mettre en évidence. Est-ce que vous vous imaginiez par contre des plats par rapport à ce vin au niveau du goût? Pas particulièrement, plutôt en guise d'apéritif. Oui. Moi j'aurais bien vu des huîtres. Des huîtres. Alors oui, mais des huîtres un peu grasses. Il ne faut pas des huîtres trop laiteuses. Il faut qu'elles aient un petit peu de chair, un petit peu de goût et un côté un peu noiseté quand elles sont bien, bien matures. Messieurs. Moi j'aime pas le vin blanc. Ah, vous n'aimez pas le vin blanc? J'ai goûté, mais c'est vrai que je sens l'amertume. Oui. Cette petite amertume, vous la sentez bien. Je suis pas amateur de vin blanc, donc je vais pas. Mais justement, exactement. Mais c'est très bien, ça prouve qu'il y a énormément d'avis différents et qu'on ne peut pas avoir un vin qui fait l'unanimité parce que si vous n'aimez pas les blancs, c'est très difficile. Voilà, exactement. Bien sûr. Mais pour écouter le message et pour comprendre. Oui. Déjà, vous l'avez compris, c'est déjà ça. Parce que les gens ne vous entendent pas, donc je suis obligé de relayer ce que vous dites. Et monsieur? Moi, j'adore le vin blanc et je le prends à l'apéritif. Juste à l'apéritif, tel que. C'est une bonne chose. Alors on va poursuivre, on va goûter donc un vin rouge désormais. On va donc quitter le Gard pour aller beaucoup plus loin dans notre belle région, pour aller donc sur les côtes du Roussillon. Et là donc on va déguster donc ce vin, donc où on est donc sur la cuvée Modus 2011 avec le domaine Tréhollard. Voici. Attendez, on va le vider comme ça, il est aviné. Ça ne vous dérange pas? Alors bien sûr le Roussillon. Il y a plusieurs types de terroirs, mais c'est vrai que ce qui donne la caractéristique particulière dans le Roussillon, c'est notamment la notion, si vous voulez, de schiste. Notamment, c'est un terroir qui est marqué énormément par les schistes. Le schiste, c'est quoi? Alors, là-dessus, je pense qu'il y a un léger un vieillissement en fût de chêne, pas très long, mais vous allez voir, ce qu'on a vraiment voulu mettre en évidence, c'était surtout le caractère donc lié au terroir. Et le schiste, vous savez, c'est de l'ardoise. On a du schiste blanc, du schiste rouge, du schiste noir. Et c'est ce qui va donner souvent un caractère qui va accumuler la chaleur la journée et restituer la nuit, ce qui fait que ça va permettre au raisin de mûrir et le jour et la nuit. Alors bien sûr, on peut arriver vers des surmaturités parfois du raisin, et c'est pour ça que le Roussillon est très connu, notamment pour les vins doux naturels, puisque quand on a une base de raisin très mûr, c'est plus facile derrière de faire des vins doux naturels. Là, surtout, vous allez ressentir surtout le caractère à la fois du sol qui apporte ce caractère un petit peu chaud, un petit peu mûr des fruits, mais en même temps, vous aurez aussi une minéralité un petit peu particulière liée à ce sol. Alors, la couleur, bien sûr, on est donc sur un vin avec une dominante de grenache, mais vous voyez qu'au niveau des couleurs, on est sur une couleur très intense. On a vraiment un grenat sombre. Alors, même si le vin a déjà quelques années, on a quand même pas mal de concentration dans la couleur, parce qu'au niveau de l'assemblage, je vérifie beaucoup de mourvèdre quand même donc, sur celui-ci. Donc le mourvèdre est un cépage très noir. C'est un cépage qu'on retrouve beaucoup dans la région de nos voisins en Provence, notamment le Bandol. Alors ce cépage a une particularité, c'est qu'il est très bon quand il est bien mûr. Et pour le faire mûrir, il faut qu'il ait normalement, on dit, la tête au soleil et les pieds dans l'eau.
Donc il faut qu'il puisse voir la mer aussi. C'est vrai que dans le Roussillon, on est exactement dans ces considérations. Et du coup, ça lui permet d'arriver jusqu'à une maturité totale. Et quand on mûrit beaucoup, on aura plus de pigments colorants. Et quand on va les laisser macérer dans la cuve, on aura une coloration plus importante. Alors bien sûr, le Mourvèdre a cette particularité d'être assez puissant. Mais il va falloir aussi calmer ses ardeurs et trouver justement de quoi l'amoindrir. Et vous faisiez une remarque, le fait de l'élever en barrique. Et c'est vrai que le Mourvèdre, donne de beaux résultats en barrique parce que la barrique aura un intérêt primordial, c'est que c'est un contenant qui est hermétique, bien sûr, au liquide. Mais l'oxygène, par contre, peut traverser les pores du bois et venir oxyder légèrement les tanins, ce qui va faire qu'il va y avoir une oxydation qui va se passer entre les matières colorantes et les tanins, et qui petit à petit vont se combiner jusqu'à arriver à ce qu'on voit dans une bouteille, des fois du dépôt. Et quand il y aura cette forme de dépôt, que l'on voit d'ailleurs dans la bouteille, on voit qu'ici c'est un petit peu accroché sur les parois, et en fait ce dépôt, qu'est-ce que c'est? C'est donc les matières colorantes et les tanins qui ont coagulé et qui se sont déposés dans la bouteille ou dans la cuve ou dans la barrique. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on va perdre un peu de couleur, mais on va perdre aussi un peu de force. Les tanins, c'est ce que l'on ressent au niveau de la langue, ce qui va être rugueux, qui va donner l'impression qu'on a comme un papier à poncer un peu sur la langue. Alors quand c'est violent, c'est un peu du gros papier à poncer, et quand c'est beaucoup plus élégant, c'est ce qu'on recherche, c'est la finesse, l'élégance des tanins. Donc on va voir comment ce vin se comporte déjà au niveau aromatique, si on retrouve bien le schiste ou pas. Donc pour ça, on va le sentir d'abord sans le remuer. Alors oui, c'est hyper aromatique. Hein. On sent que c'est très marqué au niveau des parfums. Alors, on n'est pas dans le fruit rouge, si, exactement. On est dans le fruit rouge, on est même dans le fruit même un peu surmûri quasiment, dans le fruit même un peu compoté. Et vous avez eu sans le remuer. Alors maintenant, oxygénez-le, vous allez voir, ça va être encore plus marqué. Voilà, après, il y a des notions de très mûr, par exemple la mûre, le cassis, on est vraiment sur la myrtille, on est sur quelque chose de très puissant. Et au-delà de ça, quand on arrive à isoler des odeurs, après, le but étant d'aller en ressentir d'autres. Alors c'est vrai que c'est toujours difficile de mettre un nom sur une odeur, mais en fait, il y a une technique assez simple pour y arriver, c'est que plutôt que d'essayer de mettre un nom sur une odeur, mettez plutôt une image sur l'odeur que vous ressentez. Et vous allez voir qu'en mettant une image, on ferme les yeux, on met une image, et vous allez vous retrouver dans un lieu où vous avez senti cette odeur. Et à vous à retrouver dans ce lieu, quelle est l'odeur que vous ressentez. Par exemple, ça peut être, j'en sais rien, la confiture que faisait ma grand-mère. Vous vous revoyez avec votre grand-mère en train de faire la confiture. Et vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle cuisinait comme confiture? Confiture de mûre. Et on va dire, bon, c'est de la mûre. Donc ça a plutôt le côté confiture de mûre. Vous voyez, c'est comme ça qu'on peut retrouver. Oui, la fougère, alors ce côté un peu végétal, et il y a même la notion, si vous voulez, la fougère, où est-ce qu'on la trouve? Dans la nature, sur des sols, et ces sols un peu fumés. Et ce côté schiste de sol fumé, on le retrouve un petit peu. Et on a aussi une petite note aromatique complémentaire qui est liée à l'élevage. On a ce côté un peu vanillé, je ne sais pas si vous ressentez, une forme de douceur, on a l'impression d'avoir une notion de sucrosité au nez. C'est un peu sucré. Et après, derrière, on a une notion donc, de boisé, donc lié bien sûr à ces fameux tanins et cette structure aromatique, qui rappelle un peu ce côté fougère, ce côté végétal, ce que l'on a en fait dans le vin, apporté par la structure et par la macération de ces baies dans la cuve. Alors on va le déguster, on va voir si ça se confirme aussi en bouche. Alors voilà, tout de suite vous avez ressenti le râpeux, exactement. Alors ce caractère râpeux, c'est ce qu'on dit les tanins. Donc si on veut employer des termes, on va dire techniques, on va dire, plutôt que de dire ce vin est râpeux, on va dire ce vin est tannique. Parce que moi, si je prends le terme râpeux, je veux dire c'est un peu négatif quand même. Donc c'est vrai qu'on utilise souvent dans la dégustation des termes pour utiliser d'autres mots. Si par exemple je vous dis qu'un vin est généreux, ça va dire que l'alcool est un peu dominant. Mais comme ce n'est pas trop politiquement correct de dire qu'il y a beaucoup d'alcool ressenti dans le vin, on va dire il est généreux, il est chaleureux, il est capiteux. Ce sont des termes un peu plus gentils pour dire autre chose. C'est pour ça que souvent on s'y perd quand on écoute des gens dans le monde du vin parler. Il suffit juste de les remettre à leur place. Donc quand c'est râpeux, c'est lié aux tanins. Donc là, pour l'instant, les tanins sont encore jeunes, même si le vin est quand même de 2011, on sent que le vin a un potentiel. Et pour l'instant, ces tanins nous gênent un petit peu dans la dégustation. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il soit plus agréable? Il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de rondeur et de suavité dans le vin. Comme là, pour l'instant, elle n'y est pas aujourd'hui, on va chercher par un plat à apporter de la rondeur, pour amoindrir le léger défaut qui nous gêne dans le vin. Mais si on doit le boire sans aucun artifice et sans plat, on va prendre ce vin, on va le carafer, ou on va l'oxygéner. Pourquoi? Parce que ça va aussi amoindrir la dureté des tanins. Donc là, il vous suffit de faire une chose, prenez votre vin, vous le remuez fortement dans le verre, et vous allez voir qu'après un petit peu d'oxygénation comme ça, le vin va perdre sa dureté, et les tanins vont paraître beaucoup plus légers. Donc on va le regoûter maintenant, vous allez voir qu'il va être différent.
Il est moins râpeux. Moins tannique. Exactement. Donc la structure tannique est moins puissante, moins agressive. Les tanins paraissent un petit peu mieux enrobés. Pourquoi ? Parce que derrière, on sent mieux la rondeur et on sent aussi l'acidité. On a un caractère frais maintenant qu'on n'avait pas tout à l'heure. Oui ? Monsieur retrouve voilà, le goût du fût de chêne après en arrière-goût, tout à fait. Et c'est vrai qu'heureusement qu'il y a ce fût de chêne, parce que si on avait un vin qui n'avait pas eu d'élevage, on aurait quelque chose qui serait vraiment un peu encore plus brut et qu'il faudrait forcément attendre. C'est pour ça qu'un vin, il ne faut pas le juger à l'instant T, il faut imaginer son évolution. Si par exemple ce vin, vous le trouvez aujourd'hui trop structuré, il faut savoir que vous le gardez 3, 4, 5 ans supplémentaires, voire un peu plus si votre cave est bonne, et votre vin va changer, va s'assouplir et sera plus à votre goût. Par contre, si vous aimez les vins comme ça, sans aucun problème, il peut tenir 5-6 ans, oui, tout à fait. Alors après, si on veut le boire tout de suite, comme je disais, on peut jouer avec un aliment qui va permettre de le rendre plus soyeux. Notamment si je fais un aliment qui est avec une sauce un peu épaisse, qui va apporter une forme d'onctuosité sur le palais, qui va endormir un peu nos papilles. Du coup, le vin paraîtra moins agressif, puisque nos papilles ont été un peu leurrées par l'épaisseur de la sauce, et du coup, le vin paraîtra moins agressif. Ou alors, ce qu'on peut essayer de faire aussi, c'est prendre un mets encore plus simple, tout simplement une viande rouge grillée, une côte de bœuf, une entrecôte. Et en fait, ce type de mets, que ce soit quand on utilise des viandes rouges, il faut savoir que techniquement, pour aider à mastiquer cette viande qui a pas mal de fibres, on va mieux mastiquer et y arriver mécaniquement parlant plus facilement avec des tanins et de l'alcool. Ça va aider la mécanique de mastication. Donc du coup, on peut aller sur ce type de profil et ça fonctionnera très bien. C'est pour ça que souvent on dit que les meilleurs vins n'ont pas forcément besoin d'artifice avec des plats sophistiqués. Un plat simple comme une entrecôte grillée, ça peut suffire amplement. Alors voilà, bien sûr, vous avez raison. Alors, oui. Voilà, monsieur fait une remarque concernant le fait qu'il faut acheter un carton pour pouvoir voir une bouteille et voir comment ça évolue derrière. Voilà, bien sûr. Mais ce qu'il faut faire, c'est que vous allez l'acheter par exemple chez votre caviste ou chez le vigneron. Vous allez pouvoir le goûter avec lui et il va vous dire, par rapport à ce que vous, vous trouvez gênant dans le vin, vous allez dire oui, mais ce n'est pas trop le style de vin que j'apprécie aujourd'hui. Il va vous dire oui, parce que ce vin, il faut attendre 2, 3 ans, 5 ans et après, il correspondra à votre goût. D'où la nécessité d'avoir un tout petit peu de vocabulaire quand on déguste et savoir surtout exprimer ce que l'on ressent pour pouvoir dire à votre vendeur de vin, que ce soit un vigneron, un caviste ou autre, lui dire voilà ce qui me plaît, voilà ce qui me gêne dans les vins. Et surtout d'aller chez quelqu'un qui vous conseillera. Après, il faut surtout quelqu'un qui a un peu le discours pour pouvoir interpréter vos sensations. Et c'est là où des fois, il y a une distinction entre le particulier et le professionnel, où on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde parce qu'on veut employer des termes trop techniques. Mais il faut penser que quand quelqu'un vous dit râpeux, il faut comprendre ce qu'il veut dire. C'est tannique. Donc si moi je vous dis tannique, vous allez me dire mais de quoi il me parle. Alors que si je vous dis le caractère râpeux vous gêne, là vous allez comprendre tout de suite. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a un besoin aussi pour que les gens se mettent à déguster du vin et à plus apprécier ce produit, à avoir un langage peut-être un petit peu plus simple, plus facile à comprendre. Alors là on a parlé voilà, de mets assez riches, assez complexes, mais c'est vrai que sur cette cuvée, donc avec sa structure, on peut aussi imaginer des plats d'automne, des gibiers sans problème, des plats mijotés. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Les gibiers avec une petite sauce par exemple, aux érelles par exemple, un peu de douceur, tout à fait. Voilà, un peu de sanglier aussi. On va poursuivre donc sur un autre vin pour aborder un terroir différent. Donc là, on va aller donc dans l'Aude avec le terroir des Corbières, donc millésime 2012, avec la cave de Castelmore. Et on est sur la cuvée numéro 3. Alors, les Corbières, la particularité des Corbières, c'est d'être notamment issu d'un assemblage dominant de Carignan avec pas mal de Grenache. Et ça, c'est vrai que c'est souvent, on va dire, la signature des vins des Corbières. Vas-y. Alors, c'est vrai que les connotations que l'on va retrouver dans les Corbières, il faut savoir que le terroir des Corbières, c'est une appellation qui est très grande. Et c'est vrai que dans les Corbières, nous avons différents terroirs. Il faut savoir que l'aire d'appellation Corbière couvre 13 000 hectares, ce qui, en superficie, est plus grand que le vignoble alsacien, par exemple, ou plus grand que le vignoble corse. Sauf que là, chez nous, c'est une appellation. Et il faut savoir qu'historiquement, les consommateurs ne sont pas au courant, mais vous avez 11 terroirs différents, enfin même 13 terroirs différents, qui subdivisent la zone des Corbières. Et parmi ces terroirs, on a fait en sorte dernièrement qu'il y a une zone des Corbières qui est devenue ce qu'on appelle un cru, et plus tard un grand cru peut-être, qui est une zone à l'intérieur qui est considérée comme meilleure en qualité, qui fait des vins un peu plus concentrés, avec un potentiel de garde plus grand. Ça s'appelle les Corbières Boutenac.
Ça se trouve en fait, Boutenac, c'est au nord en fait, c'est au nord des Corbières en fait. Vous avez au niveau de la carte, là j'ai pas de carte sous les yeux, mais je vous montrerai. C'est un peu en dessous de Carcassonne, tout à fait, mais on n'est plus très loin en fait. Hein. On n'est pas très loin de, notamment du chef étoilé Gilles Goujon, donc à Fonjoncouze. C'est tous ces terroirs-là en fait. C'est des terroirs sur des beaux coteaux de montagne, alors qu'il faut savoir que les Corbières s'étendent aussi jusqu'à la Méditerranée, et vous avez les Corbières maritimes, où les terroirs ne sont pas les mêmes. Donc il y a vraiment des différences très marquées, et quand on achète un Corbière, il faut savoir d'où il vient, quelle est sa zone climatique, quelle est sa zone principale au niveau du sol. Parce que ça va changer aussi sa structure. Alors là, vous voyez, on est aussi sur une couleur très intense, un grenat assez prononcé, 2012, donc encore un peu jeune. On voit que vous voyez à la lisière donc, du disque, on voit une légère décoloration. On n'est plus tout à fait sur du bleu, on n'est pas encore sur des notions de brun ou d'oranger. On est dans une phase transitoire. Donc on est sur un vin forcément qui est en train de faire ses 2 ans en ce moment, puisqu'on est en fin de récolte chez les vignerons. Et du coup, on a une évolution normale, une couleur normale là-dessus. On voit, vous voyez, que c'est bien brillant, bien lumineux, donc encore beaucoup d'acidité, beaucoup de jeunesse. Donc c'est un vin qui pourra se garder normalement sans aucun problème. Alors, au-delà de ça, on voit aussi que les larmes sont très légèrement colorées. Donc forcément, on est sur des cépages rouges, donc il y a un tout petit peu de coloration. Donc on va le sentir maintenant et voir un peu si son terroir lui donne des notions aromatiques différentes. Ah, alors c'est vrai que les arômes sont différents. J'ai entendu très acide au niveau des odeurs. Pas acide du tout. Ah, là, il va y avoir un match, là. Alors, chacun, voilà son seuil de perception aussi. Peut-être que certains sont plus, par rapport à ces odeurs-là, les qualifient d'acide, d'autres un peu moins. Alors, l'autre, tout à l'heure, où il y avait un côté plus acide, plus marqué. Là, un peu moins pour vous. Alors, il y a moins de bois. C'est vrai qu'il y a un petit peu moins d'élevage. Alors, on essaie de débattre un petit peu sur les sentiments de chacun. Vous n'entendez pas les réactions de tout le monde sur le plateau. J'essaie de les synthétiser. Alors moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on a peut-être moins de fruits noirs que ce qu'on avait tout à l'heure, mais on a plus des notions d'épices. On est plus sur la notion de poivre noir, on a plus ce côté un peu plus piquant, mais pas un piquant d'acidité, un piquant d'épices, de subtilité quelque part. Il y a un truc qui pique, voilà, et ce côté poivré. En fait, ça chatouille légèrement le nez, mais ce n'est pas de l'acidité comme vous ressentiez sur le vin précédent, peut-être, monsieur. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose d'aussi... explosif en termes d'arôme que ce qu'on avait sur le vin précédent. On est plus en délicatesse. Je ne suis pas sûr qu'il ait vu le bois dans celui-ci. Je ne pense pas. En tout cas, il n'est pas dominant. Alors, il peut y en avoir un petit peu, mais en tout cas, il n'est pas dominant. Alors, on va le ressentir une fois qu'on l'a aéré. Alors là, on est encore plus sur la douceur. On a encore plus de suavité. On tire quasiment sur des notions un peu de chocolat torréfié, chocolat un peu amer quasiment, entre douceur et force. Moi, ce que je ressens après avec mon habitude... Oui, mais c'est, si vous voulez, ce n'est pas forcément les mots qui sont importants, c'est le sentiment, le ressenti que l'on a. C'est pas pareil que tout à l'heure, c'est peut-être plus du poivre. Voilà, monsieur trouvait quelque chose de piquant, et c'est vrai que c'est plus le poivre qui était piquant. Mais c'est l'effet voilà, qu'il faut retrouver. Donc certains retrouvent un côté alcool. Voilà, j'essaie de dire ce que les gens me disent sur le plateau. Alors maintenant, on va le déguster. Oui. Alors on va le déguster, on va voir un peu comment ça se comporte. On va le voir. Alors on voit qu'au début, le caractère onctueux est très peu présent. On a une acidité assez marquée. Ensuite, on a une baisse d'acidité. On vient sur des tanins très marqués qui viennent recouvrir le palais, qui sont légèrement râpeux, comme vous disiez tout à l'heure. Une belle structure. Et par la suite, reviennent encore d'autres sensations un peu amères qui arrivent par la suite et qui sont rafraîchies encore avec un peu d'acidité qui fait ressortir encore l'amertume. Là, on est vraiment un vin avec plein de phases. De l'acidité, des tanins, on revient vers des moelleux avec de l'acidité derrière. Donc on a vraiment une évolution. Par contre, ce qu'on peut juger, c'est l'équilibre de ce vin. C'est un vin qui est pour l'instant marqué par des tanins encore un peu dominants, une amertume encore un peu marquée. Alors c'est vrai que si on le juge aujourd'hui, ça peut gêner certains consommateurs, mais c'est tout à fait logique pour un vin de garde, puisque cette acidité, c'est un gage de bonne conservation. Et les amers, les tanins, sont aussi quelque chose d'important, puisqu'ils vont diminuer avec le temps. C'est un des éléments qui va évoluer dans un vin. L'acidité évolue légèrement à la baisse, les tanins aussi. Donc quelque part, si on démarre avec quelque chose de trop léger, on n'ira pas jusqu'au bout du vieillissement. Oui, monsieur. Alors, la température, c'est vrai qu'il a été rafraîchi, je vous l'accorde, pour une raison très simple, c'est que là, vous le voyez, on est dans le plateau, et comme vous voyez sur mon front, il fait très chaud. Donc si on vous sert un vin à température ambiante, et là on est dans des températures très élevées sur le plateau, on va ressentir dans un vin que l'alcool et que les fruits très mûrs. On ne ressentira pas la finesse, pas la délicatesse et pas la fraîcheur du vin, ni au nez ni en bouche. Donc il faut toujours les vins à une température modérée,
mais pas excessivement froides. L'idéal étant de les avoir pour un vin très léger à 14 degrés pour les vins rouges, hein, et pour des vins plus puissants à 18 degrés. Mais il ne faut pas dépasser cette fourchette de 14 à 18 degrés. Et combien de fois, à tort, on nous sert les vins à température ambiante ? Imaginez, vous êtes sur une terrasse, par exemple, en bord de plage, où il fait 40 degrés facile en plein été, et vous allez avoir le vin servi à température ambiante. Forcément, qu'est-ce que vous allez ressentir ? Que l'alcool. Et dans ces circonstances, vous n'avez pas envie d'en boire un deuxième verre, parce que ce vin vous a plus alourdi le palais que rafraîchi le palais. En fait, si vous voulez, chaque fois que l'on déguste un vin, il faut bien se mettre en tête que, suivant le comportement du vin, on va adapter la température de dégustation. Là, en l'occurrence, le fait de l'avoir rafraîchi, ça a fait ressortir ce caractère acide et amer qui vous gêne légèrement, mais qui en même temps rafraîchit un petit peu. Alors, je vous invite juste à faire une chose. Vos mains sont à peu près à 33 degrés. Prenez le verre dans les mains, juste une à deux minutes, et faites-le tourner. Et vous allez voir un changement radical au niveau des parfums et au niveau des saveurs aussi en bouche. C'est-à-dire que le fait de le réchauffer, on va complètement changer sa structure. Goûtez-le, vous allez voir. Alors, vous ne voyez pas de différence ? Si ? Pas sensible. Moi, je trouve qu'il paraît plus rond au début. Les tanins sont moins agressifs. Il y a un peu moins d'amers, mais par contre, les tanins sont encore marqués. Mais il y a moins, voilà, plus lisse, il y a moins ce phénomène de vague. Mais moi, je préfère plus à une température un peu plus haute. Oui, pourquoi ? Parce que vous préférez un peu plus chaud. Exactement. Alors, je ne vous cache pas que moi, chaque fois, je jongle un petit peu ici sur le plateau parce qu'il y fait très chaud et on préfère le servir un tout petit peu plus froid, quitte à le réchauffer comme on vient de faire, plutôt que l'inverse. Il vaut mieux dans ce sens-là parce qu'un vin trop chaud, c'est trop tard après. Par contre, il faut savoir aussi qu'il y a des choses qui sont essentielles, c'est utiliser un seau. Que ce soit un vin blanc ou un vin rouge, un seau n'est pas fait pour utiliser que des vins blancs ou des vins rosés. Vous pouvez très bien mettre un vin rouge dans un seau. Si le vin n'est pas à la bonne température, vous mettez beaucoup de glace et un peu d'eau pour permettre aussi de faire la conduction. Et vous allez voir que votre vin va se rafraîchir et surtout va se maintenir aussi en température. Oui. Alors oui, le vin. Le vin va varier. Je suis d'accord. Le vin va varier. Alors c'est vrai que comme les gens ne vous entendent pas, j'essaie d'expliquer. Le vin va varier au cours de votre repas. Il va évoluer, il va changer de température. L'idéal étant que normalement, vous fassiez en sorte que votre vin reste à la même température tout au long du repas. Donc rien ne vous empêche, par exemple, de mettre un seau avec un peu de glace, par exemple, où votre vin sera à l'intérieur à 18 degrés. Et au cours de votre repas, rien ne vous oblige de le faire, mais vous pouvez mettre, par exemple, de temps en temps, un ou deux glaçons pour rabaisser légèrement la température de l'eau, pour être sûr qu'il reste à la bonne température. Alors, là, on a vu donc sur ce type de vin, on peut aussi imaginer des plats assez goûteux aussi, quand même. Moi, là, je verrais bien avec du canard, par exemple. Un magret de canard. Enfin, ça, c'est à titre personnel, c'est l'envie que j'avais avec ce vin. D'accord. Donc c'était un peu moins votre préférence. Ok, mais pas de souci. Donc on va goûter un vin suivant. Donc là, on va partir donc dans la zone du Faugère avec la Tour Penedès, avec la cuvée antique. Pardon. Alors là, on est sur une zone, en fait, on est chez un vigneron qui est à Gabian, millésime 2011. Donc on revient sur un millésime un petit peu plus évolué. Et la particularité de la commune de Gabian, c'est qu'il est à la frontière, en fait, entre les coteaux du Languedoc et les Faugères. Donc dans ces cuvées, il y en a certaines en Faugères, d'autres en coteaux du Languedoc, et certaines, bien sûr, en IGP, puisqu'on a aussi cet ancien vin de pays qui maintenant s'appelle IGP, qui permet d'être un petit peu plus libre au niveau du choix des cépages, notamment. Donc là, on a une particularité, c'est qu'on est sur un sol, notamment la fameuse pouzzolane, vous savez qu'on retrouve ce sol volcanique qui va jusqu'à Agde et qui rentre à l'intérieur des terres, justement, qui remonte quasiment vers Bédarieux. Et cette zone est très particulière puisque les sols volcaniques vont permettre de nourrir la vigne d'une manière différente, de lui apporter des minéraux différents et d'avoir un caractère beaucoup plus acidulé, beaucoup plus frais et idéal pour faire des gardes très intéressantes. En plus, on est aussi dans l'arrière-pays, donc il va faire chaud la journée, mais relativement frais la nuit. Donc les raisins auront le temps de reprendre un petit peu de souffle. Les feuilles aussi donc, de la vigne vont pouvoir la journée s'atrophier un petit peu parce que la chaleur va refermer les pores. Et la nuit, au contraire, ça va réouvrir les pores et elles vont capter de la minéralité. Donc vous voyez la couleur, on est sur une couleur donc grenat. On est sur une couleur grenat
pourpre, oui, tout à fait. On a une belle intensité colorante. On voit une très légère, vous voyez sur le bord, une très légère évolution. On commence à avoir des petites touches brunes, touches légèrement orangées, qu'on n'avait pas sur les autres. Donc on a une légère oxydation de la couleur, qui est liée à son âge. On est sur 2011, ça commence. On a une dépigmentation, ça change de couleur. Donc au niveau aromatique, vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les mêmes parfums. Déjà, on change complètement de structure aromatique. On n'est pas sur les fruits noirs qu'on avait sur le premier vin rouge. On n'est pas sur le côté poivré qu'on avait sur le suivant. On a un caractère assez chaleureux, assez généreux aussi, mais différent. Alors là, il ne se livre pas vraiment au premier nez. Donc, il faut vraiment l'oxygéner un petit peu pour voir une évolution plus marquée. Alors là, ce qui ressort vraiment dans ce vin, c'est la douceur, c'est le charme, l'onctuosité. Alors que tout à l'heure, on avait des choses plus percutantes, plus marqué, plus, enfin, on va dire marqué par un point qui ressortait. Alors que là, c'est quelque chose de plus homogène peut-être, de plus suave. Il se cache, exactement. Alors, il faut savoir que tous les vins ne se comportent pas de la même manière. Et puis aussi, vous avez des jours où les vins se goûtent bien, des jours où ils se goûtent moins bien, des jours où ils sont très aromatiques, des jours un peu moins. Et là, c'est vrai qu'on est plus sur la réserve. Et c'est pas pour autant que quand on fait une dégustation, qu'on doit sentir 10 ou 15 arômes différents. Parfois, on n'aura qu'un arôme, ou parfois, le vin sera même muet. Et il sera par contre superbe en bouche. Donc là, c'est vrai que le nez est encore un peu muet, sur des notions bien sûr d'épices quand même, un peu de fruits noirs, on ressent quand même un peu la structure, mais pas aussi marqué, pas aussi clair au niveau de ce qu'on ressent que ce qu'on avait sur les précédents. Alors on va le déguster celui-là aussi. Alors là, vous voyez en bouche, il est assez homogène, assez complet. On a de la rondeur, de la suavité, des tanins mais sans excès. On revient sur un peu d'acidité, des touches un peu réglissées. Et on finit par une notion un peu de poivre. Et contrairement aux autres, on a un caractère, vous voyez, sur les gencives, où on a une impression légèrement asséchante ici sur les gencives, ce qui prouve qu'il y a des tanins encore un peu jeunes et que le vin pourra encore vieillir un petit peu. Et cette acidité, cette fraîcheur aussi, elle est liée à ce terroir particulier, donc justement de Gabian, où on a ce sol volcanique qui apporte une fraîcheur particulière. Alors là, c'est vrai que déjà, on a beaucoup de plaisir tel que, mais après, on peut imaginer aussi pas mal de possibilités en matière d'accord mets à vin. Des volailles aussi, parce que la structure n'est pas très puissante, mais après, il peut supporter aussi des viandes blanches, par exemple, des viandes rouges sans aucun problème, et certains fromages un peu corsés quand même. Donc voilà, le but était de vous montrer un peu la particularité des terroirs de notre région, avec donc ces différents vins, aussi bien donc du Gard, des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Hérault, pour encore découvrir d'autres vins et la diversité des vins du sud de France. Voilà, on a fait le petit tour de la région. Exactement. Je vais vous arrêter. Sinon, on continue. On peut continuer toute la journée encore. On peut continuer, c'est pour ça. Je vais voir Dominique. Bon, est-ce que vous êtes convaincu par ce qu'a dit notre meilleur ouvrier de France et œnologue également, il ne faut pas l'oublier. Pas œnologue, sommelier. Alors, convaincu, oui, mais je reste à mes amours, le Faugère. D'accord. Bon, votre coup de cœur, monsieur. Le blanc à l'apéritif et le Faugère pour le reste du repas. Il en a deux, il n'a pas beaucoup craché, hein, monsieur. Il a fait 2-3 erreurs, mais en règle générale, il ne s'est pas trompé du tout. Non, bon. Assez impressionnant. Il est assez impressionnant. Il est fort. Et vous, votre coup de cœur ? Le coup de cœur pour le dernier vin rouge que vous goûtez. Le Faugère. Bon, le Faugère. Maintenant, on a une partie de handball à faire. Donc, voilà. Ça. Place au handball maintenant. Et place à la suite de cette foire. Merci. Juste peut-être présenter rapidement donc, les vins qu'on va servir demain. Donc, demain, on va aller notamment à Limoux. On va aller notamment ici à Limoux. D'ailleurs. Exactement. Pour la petite leçon d'œnologie avec Dominique Laporte. On ira donc aussi sur les terres des Asperges, aussi avec Mas de Cabre, donc dans le Gard. Nous irons dans le Minervois, donc pour la partie héroltaise. Et on terminera, ce qu'on n'a pas encore goûté jusqu'à maintenant, on va terminer avec un vin doux naturel, notamment un vin ambré, un Rivesaltes ambré. Et ben voilà, comme c'est la fête, son teasing pour demain, c'est le début de la chronique. Bon, merci beaucoup Dominique, on se dit à demain, même endroit, plaisir. À 18h, et puis sur laregion.tv, laregion.fr, avec évidemment l'ensemble des partenaires, merci aux équipes techniques. On se dit à demain, même heure, même endroit, et 11h le mag, d'ailleurs, on va continuer avec pas mal de chroniques. Demain, on parlera de Charlotte Consorti, championne du monde, je crois, de kitesurf, si je ne dis pas de bêtises, et on ira en Camargue, on parlera développement durable. Voilà, vive la vie, vive le sport. Vive la région Languedoc-Roussillon et à demain. Et on vous retrouve également la région.tv.fr pour retrouver en podcast et vidéo à la demande l'ensemble de cette chronique qui n'aura duré qu'une trentaine de minutes. Bonsoir. À demain, bonne soirée, bisous à vous, prenez soin de vous. Merci à tous.